une action qui le hante encore, et que ses coéquipiers aimeraient l'aider à oublier. Le plus important, quand on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. Il fallait se marrer. C'est bon, mon gars, tu as raté. Ça arrive, c'est le foot. Lui-même, il savait, il va marquer. Mais il a loupé. On a dit, c'est bon, c'est fini, il faut penser à autre chose. Ah, c'est une question difficile parce que je pense que chacun réagit différemment. Tu vois, il y en a qui auraient dit, bah, il n'y a que ceux qui essayent pas, qui ratent pas. Mais lui, il l'a vraiment pris pour lui, en fait. Et je sais que les 3-4 nuits d'après, il n'a pas dormi. Et moi, ça me rendait triste pour lui parce que c'est tellement un bon mec, c'est tellement un gars, il a envie de tout le temps bien faire. Et ça tombe sur lui, tu vois, je me dis, c'est pas mérité. Enfin, ça aurait été mérité pour personne, mais encore moins pour lui. Et ça m'a vraiment fait chier. J'aurais été tellement content qu'il qualifie le club en plus, parce que je l'apprécie beaucoup. Mais il va se relever, ça fait partie du foot. Le sport, c'est cruel. Parfois, c'est dur, on le sait. Mais on a la possibilité dans ce beau sport de se rattraper tous les 3 jours, toutes les semaines. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est oublier, aller de l'avant et passer à autre chose. Hein.